Coucou les petits Pika. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des reverse destinés aux cultes et les non-reverse aussi que j'ai mis à droite pour vous montrer ce qui me manque en reverse. Et j'ai mis en fond la petite boîte destinée aux cultes, j'ai mis le derrière pour que ça change, au moins on voit Raichu, Léviator et Dracaufeu. Alors c'est parti, et j'avais oublié la dernière fois de vous montrer aussi Mandrillon GX d'Harmonie des Esprits que Myrdine m'a offert aussi avec le lot de Reverse. Je vous dis vraiment, il m'a vendu des belles cartes, plus offert pas mal de cadeaux. Donc, franchement, elle est très très jolie. Alors j'ai mis sous Top Loader et j'ai mis une pochette rouge que m'avait offert Isabelle. Au moins, ils sont là, parce que j'avais dit à Isabelle que tous ces top loaders rouges seront pour une série, pour ceux qui avaient suivi les vidéos, et ça sera pour Harmonie des Esprits. Tout ce qui sera Holo GX, ça sera dans des belles sleeves rouges. Alors, je vais mettre la carte sur le côté, les amis. Voilà. Et je vais vous montrer d'abord les non-reverse, et les plus belles à la fin. Alors, il me manque... On va faire une par une comme ça. Alors, l'énergie feu. Le petit Salamèche qui me manque. Reptincelle. L'énergie foudre. N'hésitez pas à mettre pause, les amis. Hein. Pikachu. Énergie combat. Énergie fée. Rondoudou. Alors, elles sont toutes protégées, bien sûr, sous Top Loader. Sous Top Loader. Sous Sleeve bleu aussi. Comme je vous avais dit, toute ma collection est en bleu outre-mer. Et bien sûr, dès que j'ai les Reverse, ceux-là, je les donne à mon frère. Et s'il les a, je fais des échanges. Au moins, ça fait toujours plaisir. Ou des fois, j'offre en colis. Melodelph, très joli. Alors, j'espère l'avoir vivement... en reverse. De toute façon, comme je vous ai dit, je les veux toutes pour faire le master set en reverse. Ça est très belle cette collection. C'est pour ça que je vous montre les non reverse. Moi, si vous avez des reverse comme ça que vous voulez m'échanger ou m'offrir, parce que des fois vous aimez bien me faire des cadeaux, c'est avec grand plaisir, les amis. On en parlera en commentaire. Énergie plante, un sécateur, Crisacier. Énergie obscure, énergie aquatique. Alors ça, c'est Myrdine qui m'a offert aussi un Magikarp, parce que je ne l'avais pas. J'ai ouvert les Pokébox et les deux boosters en loose, j'avais pas eu Magikarp. Alors c'était marrant parce que pourtant c'est un de base, hein, mais je l'avais pas eu. Énergie psy, Arbok qui est très beau avec. Jessie, en une dédicace à mon amie Lociata, parce qu'elle adore cette illustration-là, et moi je suis d'accord avec elle, elle est magnifique. Alors vivement aussi, je l'ai en reverse. Smogo, une très belle aussi illustration Smogogo. Hein. Alors, la carte qui fait polémique, hein, mais moi je l'adore, elle est très très jolie. Parce que je trouve qu'avec les vagues, on a l'impression qu'elle surfe. Je l'aime bien cette carte-là. De toute façon, j'adore Ondine. Hein. Vous le savez, c'est ma dresseuse préférée. C'est Ondine. Dame du centre Pokémon. Analyse de Léo. Arène d'Argenta de Pierre. Et la vaillance de Pierre. Et bien sûr, il me manquait aussi que j'avais marqué sur ma liste. Hein, qui est présentée en top loader. Hein. Il me manque l'entraînement de Pierre. Evoli, la holo. Hein, Jesse et James. Bah, Evoli, c'est Holo Reverse qui me manque. Hein. C'est la Reverse, mais qui est Holo à la base. La Elector, la Aquali. Et après, les amis, c'est bon. Bah, c'est déjà pas mal. Hein. Et là, nous allons passer au magnifique Reverse. On va les prendre à l'envers. Au moins, ils sont dans l'ordre d'après. Alors, Exit de Giovanni. Ça, c'est, je vous dis, au moins 90% c'est de Myrdine. Encore merci à toi. Alors, je mettrai le lien de sa chaîne, bien sûr, dans la vidéo aussi. Suggestion de Morgane. Alors ça, c'est une réédition, Suggestion de Morgane, de Duo Choc. Piège de Koga. Alors n'hésitez pas à mettre pause, les amis.
Ce, je les bouge juste un peu pour l'effet reverse, mais pas trop pour pas trop vous éblouir. Hospitalité d'Erika. Stratégie de Major Bob. Et au moins, Myrdine, tu vois que je prends vraiment soin des cartes. Hein. De toute façon, il le sait. Hein. Maîtrise aquatique d'Ondine. C'est pour ça que... Bah, on parle de temps en temps ensemble, quand il est disponible, et on parle bien de Pokémon. Il essaye de compléter mes collections, et ça, c'est super gentil de sa part. Alors, l'arène d'Azuria. Nous avons le Evoli. Alors, une dédicace à mon ami Aika. Le Vénard. Alors, celle-là, j'étais content quand Myrdine me l'a offerte. Ceci est l'une de mes préférées de la série. Kangourex. Alors, n'hésitez pas à me dire votre carte préférée. Canartichaud. Vraiment, je trouve ça fait un chic l'effet reverse. Alors là, je suis content, c'est Myrdine aussi qui me l'a offerte. C'est la première que j'ai en reverse. Alors, il y en a, ils en ont beaucoup d'énergie. Et moi, j'en ai eu pas beaucoup. Bon, il faut dire, j'ai eu une belle pioche, j'ai eu des belles shiny. Alors, j'allais pas me plaindre. Ramolos. Starry. Nous avons Psychoquack. C'est pour ça que quand je revois la collection, là, c'est super bien. Loclass. Monsieur Mime, il est trop joli. Alors, un bisou à mon amie Karine. Parce qu'elle aime bien Monsieur Mime. Mélophée. Un autre Mélophée. Plus que Mélodelph et Gésoré les troncs en reverse. Ça va le faire, les amis. Lipoutou. Abo, avec Articodin, elle est tellement jolie. Abo, celui-là aussi. Et je veux dire, même, on va dire, une illustration de base, en reverse, ça rend hyper bien. Magmar, pour l'instant, bon, ils sont travaillés. J'essaie de vous en trouver une simple. Alors, celle-là, elle est beaucoup travaillée, je l'adore, je n'y parle. Vraiment, c'est super bon. Bon, on va dire celle-là. Elle est vraiment simple. Mais en reverse, bah, ça change l'aspect, c'est magnifique. Osley, elle est très très jolie. Beaucoup de cartes ont été bien travaillées. C'est comme Grolem, Ken Sugimori. Hein. Il fait beaucoup de décors bah, vides, on va dire, très simplistes. Mais en reverse, bah, ça rend super bien. Gravalanche. Nous avons Rakayu de Sugimori. C'est ça que je vous dis. Hein. Bon, là encore, ça fait une spirale. On va dire un peu plus de profondeur, mais bon, c'est très simpliste. Hein. Voltali. Alors là, moi, j'adore Voltali, les éclairs derrière, tout ça. Et c'est vrai que, regardez, comme là, c'est en reverse, il y a plein d'éclairs. Et on a l'impression que la carte s'étend sur toute la totalité. Et j'adore. De toute façon, je suis fan, vous le savez. Hein. Electrode, très joli. Et nous allons finir, les amis, par Voltorb. Alors, j'espère que la vidéo vous aura plu, les petits piquants. Au moins, vous avez vu la liste de ce qui me manque, la liste de ce que j'ai en reverse, et vous avez vu la totalité de ma collection sur deux vidéos. Au moins, je trouve ça sympathique de vous faire partager mes pioches, vous faire partager mes achats, et vous faire partager toute ma collection. Je vous fais de gros bisous, à très vite pour de nouvelles aventures, les petits piquants. Bye!